Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, le 31e sur Nioh 2. On est toujours sur la voie du Nioh. Et on a trop d'items sur notre perso. Marebito wa kange suru zo. Juste faire quelque chose, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'il veut? Des canons? Canons portatifs. Et il veut des gourdes. Combien on en a une? Quarante-cinq, on vend. On vend. Toutes 50, on vend. Par contre, sur les pièces, je crois qu'ils appellent ça éthérées. On regarde si la grâce est pas peut-être intéressante. C'est douloureux, c'est de l'Izinagi, mais le casque il est pas. Ah non! J'ai pas regardé pour les armes. C'est bien Izinagi hein, ce qu'on a. Bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est peut-être intéressant ça. Alors la hutte.
Ça va être à vendre. Irashai. Et bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. On a du matériel fusionné là. Un autre 55. J'en avais déjà un. Je pense que j'aurais pas assez pour produire un autre 59. Une quantité énorme de matériel, ça coûterait extrêmement cher en plus. Alors, il y a un casque qui est intéressant. C'est celui-là. Les stats sont pas terribles. Mais c'est le set que je recherche. Et en plus, c'est une armure lourde. Et on a un 200. Au moins le casque que l'on porte, il sera passé au niveau 200.
après, on va pouvoir le monter finalement. Non, la forge. On va aller à la forge et on va le renforcer. Ça, c'est pas terrible. Je peux pas le changer. De vie à Daco, c'est pas bien, ça me sert à rien. Mais je passe en 4 pièces, ça augmente la défense quand il y a de la purification. On va trouver une meilleure pièce. Bon, allez, on part sur un build Izinagi, qu'on aura une meilleure pièce. On la changera. Par contre, le casque est franchement moche. On va changer son apparence. $25,000, rien que ça. Eh ben, association d'armes armure. Sur le moment, j'ai cru que je m'étais trompé de pièces d'armure. J'avais oublié que le look est affiché en haut à gauche. Bon, on a 4 pièces. Ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à partir de la 6e pièce, ça a commencé à devenir intéressant. Allez. Et lorsqu'on aura une pièce du même set, enfin de la même grâce, qui sera plus intéressant, on le changera. Pour le moment, on n'est pas à ce stade-là. Allez, on y va. On modifie tout ça.
Easy Nami, faut faire attention. Donc c'est pas du tout le set que je cherche par contre. Ok, 54. 55. Ce sera pour plus tard. Ah non, on peut déjà l'améliorer, j'avais pas vu. Nani. Ah, impression que c'est un troll. Hey, hello from Japan. Oh, here, it's 20 half o'clock. In Japan, you are about 2 o'clock, 3 o'clock. Maybe it's the first time a Japan viewer speak on the chat. Where are you living in Japan? Alors. Gigi, salut Gigi, comment vas-tu? Apparemment, on a un viewer japonais. Oui, balle. Comme un jeudi. Ah là là. Nani? Ah, c'est peut-être un troll, hein. T'as des cours le samedi, je sais plus. Tu finis les cours à quelle heure demain? Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là-dessus, c'est dingue. Donc une bonne journée demain alors. Ok, on va faire l'amélioration. C'est dur d'avoir les pièces de set qui m'intéressent. Piscine! T'aimes ça la piscine?
J'avoue que moi, en EPS, c'était pas mon sport préféré. Hein. Je préférais bien plus les courses d'endurance que la piscine. En fait, à la piscine, tu te gèles toujours. Tant que t'es pas dans l'eau. Et tant que tu t'es pas séché, rhabillé. Il y a encore quelque chose à faire au sanctuaire. Ah, course d'endurance, c'est difficile de rigoler. Hein. Ou sinon, faut avoir du sou. Faut avoir un bon cardio. Ouais, je peux pas? Attends. Non, site de repos, voilà. Je me suis trompé. Option purifier, ça fait un peu bizarre. On va sûr, on va le garder. Ouais, il y a beaucoup de. On passe beaucoup de temps là. On va bientôt démarrer. Hein. Désolé. Non mais... On en avait tant que ça? Ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas fait le ménage, mais je pensais pas qu'on en avait autant que ça sur nous des noyaux. Oh là là, on n'a toujours pas commencé.
Ceux-là, on les garde. Ok, les 170, si on en a, on va les dégager. Non. Oh, les verts, allez. Bonsoir Franck, bonsoir. On a toujours rien fait là, on fait le ménage dans l'inventaire, dans plein de choses. Ben on va pouvoir commencer enfin. 30 minutes de ménage. Ouais, exactement. Affolant. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur une mission principale. Hein. Ça changera. C'est une mission qui est longue et qui est pas facile. Le boss de fin risque de nous poser quelques difficultés, je pense. Si ce n'est que quelques. Attention, s'il m'attaque, je ne pourrais pas faire de compte là pour le moment. J'ai pas vu venir celle-là. Ok, bah bonne vaisselle. Tombé. Un de moins.
Avancer sur le jeu, Franck. T'as quel palier des abysses? Ah, dommage. Il y avait de l'idée, mais... C'est un peu loin. Très bien. Ensuite. Perdu. Je suis perdu. On va faire le tour. Pas besoin de vous lever, hein. Ça restait assis, ça nous aurait très bien. Allez. Alors les artilleurs, ils sont par là-bas. Là, on va débloquer le passage avant de faire le combat. Le combat, on fera après. C'est peut-être pas facile. Vraiment un mob un peu compliqué avec une aura. Ah, j'ai été bourrin. Ouvrir le passage, c'est la priorité. Ah, bravo! À partir du palier 16, tu as remarqué une répétitivité dans les différents niveaux des abysses, où il y a encore de la variété. En point de vue carte, déjà, boss. Allez, les artilleurs. Je pensais bien que ça allait être quelqu'un d'assez balèze. Ah merde, la connerie. Et au palier 16, t'as des items de niveau combien ?
Alors, le bonus de niveau sur les items, il est de combien? Ah, pas dommage, pas dommage. Plus 38. Ah, c'est pas beaucoup. Si tu veux augmenter le niveau de ton stuff, je te conseille de faire des missions en mode crépuscule. Ça a strictement rien à voir en termes de niveau d'item. C'est du plus 50. Ah zut. Je pensais détruire les cristaux avec juste une attaque. Ballot. Mais tu utilises les bonus de coupe quand tu pars en mission crépusculaire? Dommage, j'ai raté mon coup là. J'ai vraiment pris comme un manche. Ah, c'est bien hein, les coupes. C'est vraiment bien à utiliser. Oui, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Ça varie tous les jours. Et elle se débloque en fonction de l'avancement sur ton niveau de difficulté. C'est qu'il y a des missions que vous n'avez pas encore faites. Et si vous prêtez attention quand vous finissez des missions, des fois le jeu vous met un message. Comme quoi vous avez débloqué tel ou tel niveau. J'aurais dit que c'était un monstre ça. Vous êtes à quel chapitre, Gigi? Ah, j'ai raté le compte. J'ai attendu un petit peu trop longtemps. Et puis alors là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, donc vous êtes vraiment qu'au début, ouais, c'est normal que vous ayez de nombreuses missions non débloquées. Voilà, pour l'éviter, c'était pas facile.
Merci la roulade. Un petit peu abusé d'avoir mis un machin comme ça dans un couloir. Bugué là, il est coincé. Eh ben enfin. Bon, amusez-vous, prenez votre temps, hein, c'est pas une course. Ah non, t'influenceras pas. Ah, j'ai plus de flèches normales. Tiens. Ouais, la caméra est pas géniale hein, dans les angles, dans les endroits un peu exigus. Attention. On balance. Ok. Bon. Je vais pas retourner à un sanctuaire, c'est. Ça, c'est du skill. Monster kill. Eh bien. Quel suspense.
Je crois que les noyaux d'âme, on peut en looter au niveau 200, non? Ah zut. Fatality. Il y en a aucun qui est venu au cac, magnifique. Oulala. Oulala, bah alors là c'est fini là. Ouais ouais c'est fini. Pas de bol. Bon bah on recommence. Magnifique. Il y avait combien en XP sur le personnage? Désolé, désolé. Le Mister Patate, je pense qu'il ne me poursuit pas. Donc lui, il va peut-être pas me lâcher, ce samouraï. On n'a pas Brest ce soir. Tu seras là ce week-end, Gigi? Oh, dommage. Pas bon ça. Oh,
pour retrouver mon chemin là-dedans. Ouais, c'est juste là. Alors l'artificier va vraiment me gêner. Moi qui pensais me mettre à l'abri dans un endroit un peu sûr, c'est raté. Pendant que t'as réussi à avoir ton set au complet. Salut Bulls. Ah, tu fais bien d'arriver. Il y a Gigi qui nous disait Bulls, qu'est-ce qu'il joue mal, j'arrête pas de l'EPL, il y a la traîne, j'arrive pas à avancer dans le jeu, c'est trop lent avec Bulls. Parole de streamer. Hein. Salut Braise, justement on se disait que t'étais en retard. Non mais franchement Gigi, hein, quand c'est comme ça, pour se faire pardonner, hein, parce que c'est impardonnable, hein, soyons sérieux. Quand c'est comme ça, faut faire un sub T3 Bulls. Là encore, parole de streamer. Ah oui, effectivement, il tire dans le baril de poudre. Bon, on rigole, bien sûr. On rigole. Enfin, sauf quand on parle de sub T3. Are you serious?
Oui, c'est toujours la mission principale, là. Oui. Et on n'est pas encore arrivé à la fin. S'en approche, mais... Encore pas mal de choses à faire. Alors, ta journée de boulot, Brest, comment ça s'est passé? Je me disais bien que c'est un peu foireux par ici. Je me demandais pourquoi. Eh ouais, il dépop. Eh bah oui. Oh, crap. Ça va être compliqué ici. Non mais c'est bon. Ah, le piège. J'ai complètement oublié celui-là. Tireur. C'est lui. On va t'affaiblir. Voilà. Voilà, campe bien dans les flammes. Super. Il s'est fini tout seul. Est-ce que les gens étaient sympas déjà ?
Et demain, tu rebosses, Braise? Bon bah c'est déjà ça. Alors. Et la semaine prochaine, tu bosses? On est bon. Critique là. Critique. Et le limon sanguignolant. J'ai pas récupéré d'énergie en tuant les petites araignées. Dommage. Que je souhaitais. Ah, tu vas avoir plusieurs boîtes d'intérim. Je pensais que tu bossais avec la même. Bonsoir, Ali. Comment vas-tu? Il me dirait que ça ira peut-être mieux demain soir. Comme un jeudi. Oh là là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui me permettent de régénérer de la vie. La première, c'est la faction que j'ai choisie. Ça convertit une partie de l'XP en soins. Ensuite, j'ai un régène de vie avec certains éléments de mon stuff. Vous voyez, par exemple, drain de magie. Augmente la restauration de PV en proportion des dégâts de base de magie. Et comme j'ai beaucoup de points de base en magie, bah ça me restaure pas mal la vie. Et je l'ai deux fois en plus. Ça doit se cumuler.
Si je me trompe pas, non, je l'ai pas là. Et ensuite, il y a la capacité là qui fait la roue, qui soigne. La roue de feu là, ça soigne aussi. Vous voyez les petits symboles en turquoise ? C'est la valeur des soins. Mais vous avez quoi comme objectif, Bulls ? Juste de faire l'histoire de base ? Vous allez jusqu'au dernier niveau de difficulté ? Il y a d'autres capacités qui permettent de soigner avec des passifs. Et ça, c'est dans les arbres de talent. Notamment le talent de démon. T'es bientôt à la fin de ton jeu, chinois, Harry ? Alors là, ici, il faut faire attention. Il y a pas mal de monde. Tiens, en fait, la version que vous avez sur console, Sony, qui est offerte ce mois-ci, c'est la version complète du jeu ou uniquement le jeu de base ? Et vous avez les 3 DLC ? Ah ouais, je comprends, ouais, les malins, quoi. Comme ça, si vous êtes accro au jeu, ils se diront, bah, ils achèteront les DLC. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, on essaiera de vous faire découvrir les DLC quand même. Puissiez vous faire une opinion. Ouais, mais ils sont à quel puits regardez sur Instant Gaming par exemple ou sur d'autres sites, voir si les DLC sont vendus séparément et si oui, à combien. Et il y a quelqu'un qui peut regarder pour Gigi et Bulls? Si ils sont moins chers, les DLC sur Instant Gaming. S'ils y sont déjà. C'est sur PS5, c'est ça ?
Vous jouez sur PS5? C'est bien la PS5, hein. Et j'ai toujours entendu d'ailleurs que les vrais gamers, les purs, les vrais, les bons gamers, sont sur Xbox. Non, je plaisante, hein, mais j'ai vraiment pas d'opinion entre Sony et Microsoft. Là, c'est pas bon ce que je fais. C'est pas bon du tout. Par contre, peut-être qu'à l'avenir, Xbox va avoir pas mal d'exclusivité avec tous les studios qu'ils ont achetés et pas les moindres. Et d'ailleurs, il y a une rumeur hein, comme quoi ils envisagent d'acheter Activision Blizzard. Ça ferait peut-être du bien à certaines licences Blizzard d'ailleurs. Telles que Warcraft. Je parle pas de World of Warcraft, hein, Warcraft. Quoi d'autre? Starcraft. Non mais Nintendo ce sont pas des gamers, c'est sur Nintendo c'est une secte. Vous allez sur Nintendo, vous revenez plus jamais en fait. Oula, j'ai failli tomber. Comment il a fait pour remonter aussi vite lui? Tiens d'ailleurs en parlant de Nintendo, alors c'est Mario et Lapin Crétin 2. Ça donne quoi? Aussi bien que le premier? Encore mieux? Bulls et Gigi, vous avez joué sur console Nintendo? La Super Nintendo, c'est dans quelle année ça? Quelle console Nintendo? Ah oui, c'est vrai que tu faisais du bricolage.
T'as fini à quelle heure aujourd'hui, j'allais dire Franck, Flores. Game Boy Color, c'était Nintendo? Ah, il y a un chat dans le coin. Il y a un coffre. Il est où le chat? Je crois que les jeux Donkey Kong sont relativement durs, non? Donc ça veut dire que je suis relativement nul à ces jeux-là alors. Peut-être les deux. Bah, c'est pas facile ici, il me semble. Hein. Ouais. La. Et mon attaque qui part dans le vide. Il m'a contré. Magnifique.
First try. Merci à vous. Le super jeu Star Wars. Il était pas sur la Nintendo Cube ou un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez de quel jeu je parle. Qu'on a eu. C'est pas intéressant ça. Miyagi Banai. Alors, est-ce qu'on a des cannes? Ah non, celui-là, on ne le donne pas. Est-ce qu'on a des gourdes? Apparemment, non. Enfin, le faire juste le ménage là-dedans. On commence à avoir trop d'items. Conserve qu'à partir de plus 50, hein, le reste je le vends. Je regarde tout de même sur les pièces éthérées, c'est-à-dire les pièces de rareté orange, s'il n'y a pas une grâce qui m'intéresse. Eh ouais. Eh ouais. 30 minutes de ménage. Oh, on a de l'Izanagi.
On a eu quelque chose de bien. On a eu quelque chose de bien. Magnifique. Faut pas faire de bêtises maintenant. Bon, pour le monter en plus 59, ça va être long. Ah, attendez, je me réjouis peut-être un peu vite. C'est du lourd ou c'est du léger? C'est du moyen, donc ça dégage. Ah, je suis dégoûté. Ouais. Et tu sais qu'il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres. Il y en a pour les pour ceux qui sont abonnés, ils peuvent en lancer. Et c'est vrai, hein? Tu fais point d'exclamation commande. En anglais, au pluriel. Tu vois, il y en a une jolie collection. Voilà, non, je fais des conneries là. Ah mais tu peux voir la liste. Puis de toute façon, Bulls, il va t'offrir un abonnement. Il est sympa, Bulls. Il va t'offrir un abonnement. Alors, Discord, c'est pas un mème. Excusez-moi, je vais retirer la caméra pour me cacher. Pour me moucher tranquillement. Slash résume, c'est pas un mème. Slash YouTube, c'est pas un mème. Mais le reste, oui, ce sont des vocales. Alors, ça c'est fait. Du coup, il est quelle heure? Ok. Tu es là, Harry? Est-ce que tu es là? Ben pas grand chose, le slash Discord et slash YouTube. Et le slash résume, il est vide. Je l'utilisais pour les jeux à histoire, pour les jeux à histoire qui sont relativement longs. Et quand il y avait certains viewers qui n'étaient pas là depuis longtemps, au moins qu'ils puissent lancer le slash résume pour avoir... un aperçu de ce qui s'était passé. Vous voulez qu'on retente lui là, qui est hyper balèze? Vous voulez qu'on fasse une quête secondaire? Je vais choisir. Le boss optionnel balèze ou une quête secondaire? Um...
ça va nous mener trop tard pour une crépuscule. Non, et puis celle-là, j'ai pas le niveau. Je sais ce que c'est, j'ai pas le niveau. Celle-là, non. C'est même pas la peine. C'est. Non, celle-là, non. Non, celle-là, on pourra pas la faire. Ok, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, Harry. Non. On va faire ça. Vous verrez, c'est une des missions du dernier DLC. Vous verrez à quel point c'est badass. Ah bah oui, mais j'ai pas d'énergie. Quand je dis que c'est vraiment dur, c'est vraiment très très dur. Vous savez qu'Oda Nobunaga, il a réellement existé. Ils sont pour l'histoire du jeu, ils sont inspirés d'une des périodes historiques du Japon. Vous jouez avec quel type d'arme? Là, tu dis pas grand chose, Braz. Fatigué? Bon, bah, ça c'est fait. Vous voyez, même le jeu nous applaudit, si c'est pas beau, hein. Tu vas être très très nerveuse, je crois que c'est extrêmement nerveux le gameplay au ton face. Bon allez, on tente le boss, pas cool. Lui, il est vraiment, vraiment dur. Et il est moins dur que le boss de l'intermédiaire de la mission crépusculaire là, qu'on ne fait pas. Ah, pardon, excuse-moi, Brez. Yeah!
Lui, il est vraiment, vraiment dur. Et encore là, il est pire que ça. Hein. Il est bien pire que ça. Là, comme on est resté vraiment au cac, on l'a empêché de faire des sorts. Il est très mobile, il a beaucoup d'attaques. Il a beaucoup de capacités de magie aussi. Il est assez résistant. Il attaque au corps à corps comme il peut attaquer à distance. Il y a midrange aussi, comme vous avez vu. Lors du trade précédent. T'as réussi à le vaincre, Franck, en voie du Nio. Il fait des attaques d'eau, il fait des attaques de feu, il fait des attaques du vent. Il est vraiment pénible. Hein. Et il se soigne en plus.
Oh, il s'est éloigné. Il était au cac au moment où je lance l'attaque spéciale et il s'éloigne. Pas de chance. Je sais pas ce que c'est cette attaque où il a changé de plusieurs fois d'éléments sur sa lame. J'ai l'impression qu'il se régène en plus, c'est terrible. Ouais, on va abandonner, on va lâcher, il se régène, on n'y arrivera pas. J'ai vraiment l'impression qu'il soigne à un moment donné. Je vois pas s'il soigne, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Il est peut-être sensible au poison, faudra essayer. Lui, on l'avait fait.
courage. C'est pas le, c'est pas notre stat principal, ça. Si. Tiens, on va le faire, ça. Excusez-moi. Retirer la caméra à nouveau. Bonne nuit, Gigi. Bon courage pour demain et à demain soir. Oula, ça risque d'être tendu, si c'est ce que je pense. Ça risque d'être très méchamment tendu. D'accord. Demain repos, braise ou bricolage? Est-ce qu'on va en moins comme boss à la fin? Tu perds le matériel. Que si on crève le matériel qui est au sol, je crois qu'il est perdu. Tant qu'il n'est pas ramassé, il n'est pas acquis le matériel. Ça servit strictement à rien, ça. Oh, il est joli son casque. Ah, il s'éloigne lui aussi, c'est pas possible. Franck, tu l'as récupéré, le noyau d'âme de Kasha, en niveau 190? Il y aura peut-être un boss après cet adversaire. Ah non, c'est fini. Bon bah, c'est moins dur que ce que je pensais. Je m'attendais à un des boss de fin du jeu de base.
Bref, moi je pensais que tu bossais avec la même boîte d'intérim. Apparemment, tu travailles avec plusieurs boîtes. Ça peut être sympa ça. Ouais, mais il n'y a que 3 stats. J'ai quoi sur mon perso? Ouais, non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant s'acheter. Il n'y a que 3 stats, donc ouais, c'est pas intéressant à détruire même. Ouais, c'est pas intéressant. Dommage. Bon, on va voir ce qu'on a dans notre inventaire. Miyag. Ça, ce sera à vendre. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. D'accord, parce que là pour le moment il te propose pas grand chose, si je comprends bien. Bonne nuit, Moussard, bonne nuit. Je vais faire une bêtise là. Non, 50, on vend pas. C'est dû à quoi là, c'est dû à la boîte? C'est dû à la période de l'année? Ouais, t'avais pas dit qu'il te proposait des trucs quand tu revenais? Bah pour le moment on va rester là hein, pour ce soir, parce que si on fait une quête ça va nous mener trop tard. Lui on le refera demain. Il nous reste quoi sinon à faire ici? Au niveau des quêtes secondaires on a tout, principales on a tout fait. On a quelques quêtes secondaires à faire. Et la prochaine zone. C'est bien cette mission-là, on a Kasha, hein, c'est ça? Tu confirmes, Franck? Il me semble que cette mission-là. Demain, on va peut-être essayer de la faire pour obtenir Kasha. Et si on n'obtient pas un noyau intéressant, on la retentera. Sauvegarde. Et puis on va arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On commence à arriver sur la deuxième moitié hein, du jeu de base. On va avoir des missions un peu plus difficiles, plus longues. Avec des boss un peu plus retors aussi.
Merci de m'avoir accompagné, merci à Gigi, merci à Bulls, merci à Franck, merci au Moustoir, merci à Brez, pas oublié Brez, désolé. Et merci également à ceux et à celles qui nous regardent discrètement. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne pour nous encourager. Je vous souhaite une excellente nuit. On se donne rendez-vous demain soir, 19h45. On continue tranquillement sur Nioh 2. Je pense qu'on va continuer sur Nioh 2 jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre, il y a le protocole Callisto. Et le 14, on fera très probablement en difficulté max The Witcher 3 The Wild Hunt. Sauf si vraiment le patch est next-gen est raté. Mais je vois pas pourquoi le patch next-gen serait raté. CD Projekt Red a fait quelque chose d'assez magnifique sur Cyberpunk 2077. En termes de ray tracing et toutes les autres technologies graphiques, donc je m'attends à ce que ça soit sympa sur The Witcher 3, même si bien sûr il y aura bien moins de néons forcément, mais je m'attends à quelque chose de quand même de bien sympa. Encore merci à vous, bonne nuit, bon courage pour demain, bon repos pour les autres, et rendez-vous demain soir pour de la suite sur Nioh 2, et on fera certainement la mission pour contre Kasha. Merci à vous tous, bonne nuit et à demain. Ciao ciao.